on a un vestiaire. Oui. À moins que ce soit l'accessoire de... Pas du tout. Ouais. Alors Fabienne, je ne vous donnerai pas votre âge. Par contre, pour faire un petit peu les réglages de sono, je vais vous poser... Je suis si vieille que ça? Non, je ne vais pas le faire. Ah, vous me rassurez. Parce que l'année dernière, je l'ai fait, j'ai dit je ne le fais plus. Ouais. Ça peut influencer le jury. Oui. Ben oui, parce qu'il y en a qui se disent, oh, attends, ils sont âgés, on va être sympa, ou alors l'inverse, ils sont jeunes, pas d'âge. Ok, Fabienne? Entendu. Simplement, vous venez d'où, Fabienne? De Mazog, petit village au-dessus, en dessous de la Roque Bruxane. Oh, c'est pas loin. C'est pas loin. À vol d'oiseau, hein. Qu'est-ce que vous allez nous chanter comme chanson? Alors, j'ai choisi New York, New York, malgré mon manque d'octave, mais j'ai choisi la version de Liza qui est beaucoup plus basse. Voilà. Il est parti. Il vous manque octave? J'ai un manque d'octave, mais j'adore. Ah, un manque d'octave. Ah, je croyais que vous chantiez avec octave, le prénom. Non, excusez-moi, non, je ne suis pas encore... Non, la version de Frank Sinatra est beaucoup plus élevée, donc j'ai choisi Liza Minnelli. Vous avez choisi Liza Minnelli? Voilà. Ok. Vous avez besoin des paroles, vous avez un pupitre? C'est gentil, merci. Ok. Vous avez besoin du bruit du public, vraiment, pour vous mettre dans l'ambiance, comme si on était dans un concert, comme si on était... C'est comme ils le sentent. Comme si on était au Madison Square Garden. Ladies and gentlemen, New York, New York by Fabienne. Applaudissez. Merci.